Bonjour, bienvenue, tout le monde parle français? Ok. Parce que le titre est en anglais, c'est pour ça. Donc je vais vous parler de comment indexer des documents OpenOffice, PDF, etc. Avec la suite Elastic, et ce qu'on appelle maintenant la Elasticsearch Platform. Au niveau marketing, on a changé les noms. Donc c'est quoi la Elasticsearch Platform? C'est Elasticsearch principalement, moteur d'indexation de recherche, j'espère que vous connaissez. Kibana, outil de visualisation au-dessus de tout ça, puis une couche d'intégration, des connecteurs et tout ça. Ça peut tourner dans le cloud, ça peut tourner sur vos laptops, et le but c'est d'intégrer plein de données à gauche, pouvoir les visualiser à droite et les utiliser à droite. Et au-dessus de tout ça, on fait tourner aussi trois solutions pour tout ce qui est sécurité, protection des endpoints, SIEM, observabilité et Enterprise Search qu'on va plutôt regarder aujourd'hui. Alors pour indexer des documents, pardon, extraire des informations depuis des documents OpenOffice, PDF, etc., il y a une super librairie qui s'appelle Apache-Tika et qui permet de faire ce travail-là. Donc c'est une bibliothèque en Java que vous pouvez utiliser. Elle supporte tout un tas de formats que vous voyez ici. Alors pour certains formats, par exemple les formats audio, elle va pas faire l'extraction du contenu audio, elle va faire l'extraction des métadonnées du document MP3, par exemple. Genre le bitrate, je sais pas, la longueur du morceau, etc. Comment on extrait? C'est simple, un petit peu de code Java, on récupère un handler, et puis on utilise le parseur, là, la méthode parse, sur le stream qu'on a reçu, et on extrait du handler le texte qui a pu être extrait du document. J'aime bien faire ça. Et puis les métadonnées, donc qui sont formatées, titre, keyword, etc. Et en fonction du type de document, Tika sait aller chercher quel est le nom de la métadonnée qui correspond correctement. Alors pour faire ça dans Elasticsearch, il y a une première solution qui est utilisée, ce qu'on appelle le Ingest Attachment Plugin. Ça permet d'utiliser ce qu'on appelle les pipelines ingest dans Elasticsearch. Et les pipelines ingest, ils servent à quoi? Vous avez un document JSON en entrée en haut à gauche. Et vous ne voulez pas l'indexer tel que, vous voulez le transformer à la volée avant vraiment de l'indexer. Pour ça, on passe par un pipeline d'ingestion, que vous voyez au milieu. Et dans ce pipeline, on définit des processeurs. Ici, j'ai deux processeurs. J'ai le processeur dissect, qui me permet de faire un peu du grep, enfin, bon, une expression régulière sur mon contenu message et d'extraire le label et le champ timestamp, par exemple. Et puis après, je passe par un autre processeur, qui est le lowercase, qui va permettre de mettre mon champ label, par exemple, en minuscule. Ce document JSON final qu'on voit, c'est celui qui va être indexé dans Elasticsearch. Donc c'est ça les ingest pipelines. Et parmi les processeurs qui existent, eh bien il existe un plugin. Donc il est à installer, vous avez la commande dans la documentation. Si vous tournez dans le cloud, ce qui va être le cas de ma démo, vous avez une case à cocher pour dire je déploie aussi ce plugin-là. Et du coup, vous bénéficiez du ingest Attachment Processor qui va utiliser Apache Tika et le code que j'ai montré tout à l'heure en fait. Donc on va voir ça en démo, en espérant que ça fonctionne. Donc j'ai un fichier texte voilà, qui contient juste ce texte-là. Et je veux l'envoyer dans un pipeline d'ingestion. Donc il va falloir que je définisse le pipeline d'ingestion. D'accord, je ne suis pas du tout au bon endroit. Ici. Ah mais je ne suis plus connecté, cool. C'est pas grave, ici je vais être connecté. Donc pour définir un pipeline d'ingestion, voilà comment je fais. Je définis un pipeline d'ingestion qui s'appelle Attachment. Et je vais utiliser le processeur Attachment, donc le plugin dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vais extraire l'information du champ qui s'appelle Data. Et en même temps, la façon dont vous allez fournir le contenu binaire à Elasticsearch, vous allez devoir l'encoder en base 64 dans un document JSON. Et généralement, ça sert à rien de garder ce contenu binaire qui prend beaucoup de place dans Elasticsearch. Autant l'enlever directement. Donc vous pouvez faire Remove Binary True, comme ça, il n'apparaîtra plus. Donc voilà, j'ai créé mon pipeline ingest. Comment on s'en sert? Là, je vais utiliser l'outil de simulation. Je ne vais pas vraiment indexer un document, ça va être plus simple. Donc imaginez que j'envoie un document JSON qui contient ce champ data avec un contenu base 64. C'est-à-dire ici, rien de spécial. Je vois en sortie qu'il m'a généré quelque chose. Bon, a priori rien, puisque c'est pas vraiment du base 64 que j'ai ici. Donc je vais retourner ici, et puis je vais faire un petit pipe base 64. Okay. Donc ce contenu-là, je le prends, clac, je le mets dans ici, à la place de base 64, et j'exécute la même commande.
Et je vois qu'il a reconnu que c'est du content type text-plain, c'est le contenu, c'est le contenu qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, c'est a priori, c'est en anglais, voilà la taille. Voilà les données qu'il a réussi à extraire. Alors, j'ai fait un petit outil ici qui s'appelle Simulate, je crois, c'est ça. Et puis, je lui donne le même document. Et en fait, il va faire exactement ce que je viens de faire dans la console de Kibana, mais là, il va le faire en curl. Ça va me permettre de passer, si ça fonctionne, des éléments, d'autres documents sans avoir à faire ce copier-coller de Base64 qui risque d'être un peu long. Donc j'ai toujours même entrée, même réponse que ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Je vous le montre là. Donc j'ai tout type de documents. J'ai le test OCR.png. Donc c'est une image. J'exécute ce truc-là. Donc voilà, j'ai un petit contenu, enfin pas mal, hein. Un gros contenu Base64 qui est envoyé. Imaginez ça quand même, ça traverse le réseau, ça va dans un nœud Elasticsearch. Elasticsearch, il doit prendre ça en mémoire dans la JVM. Il doit décoder le contenu Base64, donc pour en avoir une autre version. Et puis en fait, envoyer ça à Tika, extraire le contenu. Enfin, il y a une petite charge mémoire si vous imaginez ce qui se passe derrière. Pour extraire, rien. Donc on a perdu vraiment du temps. Alors pourquoi? Parce que le Ingest Attachment Plugin ne sait pas faire d'OCR. Donc voilà, toutes les images et tout ça, il ne saura pas les traiter. Les images dans les PDF non plus, il ne saura pas les traiter. Il peut arriver que vous ayez des plus gros documents. Donc là, j'ai un document qui est un peu plus gros, qui s'appelle Big Notice. Je vais effacer. Donc là, j'ai un gros Base64 à envoyer. Donc ça peut prendre un peu de temps aussi, côté Elasticsearch. Voilà, il m'a extrait du texte, ça fonctionne, hein, mais... Il y a un petit souci quand même dans tout ce qu'on fait, c'est que là, on a envoyé quand même beaucoup, beaucoup de volume pour finalement extraire pas tant de choses que ça. Imaginez, vous avez beaucoup d'images dans votre PDF, et en fait, il n'y a que très, très peu de texte et quelques métadonnées. Vous allez envoyer, je sais pas, une centaine de mégaoctets à travers Elasticsearch, et ça vaut vraiment pas le coup, à mon sens. Donc, à la place, j'ai créé un projet il y a quelques temps, en 2011, qui s'appelle FScroller. Qui permet de traiter ce problème. Alors, c'est un projet qui a pas mal de stars maintenant sur GitHub. Je suis assez content, c'est mon plus beau projet. Je vous en parlerai un petit peu à la fin de la communauté là-dessus. Par contre, je vais faire un petit disclaimer avant. Ce n'est pas un projet qui est supporté officiellement par Elastic. C'est un projet que je fais sur mon temps. Voilà, il est supporté que par la communauté FScroller, moi. En gros, sur Discuss et Stack Overflow. Ceci étant dit, je vais vous expliquer maintenant ce qu'il fait. Donc c'est une architecture un peu à la Logstash. Logstash, ça fait partie de la couche d'ingestion qu'on avait en bas là. C'est un ETL extrait depuis une source, transforme à la volée et charge vers une destination. Mais on retrouve un peu les mêmes étages dans FScroller. Une partie entrée, une partie filtre pour transformer et puis une partie sortie. Dans les parties entrée, vous pouvez mettre FScroller à l'écoute. À la lecture d'un répertoire local, et puis en fait, il va aller crawler le contenu de ce répertoire local et envoyer ça vers ce qu'il a trouvé vers l'étage suivant. Vous pouvez monter évidemment un répertoire, votre NAS. Il y a aussi le support du crawling sur SSH ou sur FTP. Et puis, il y a aussi un endpoint HTTP REST où vous pouvez uploader sur FScroller en fait, votre document binaire et qui ensuite va passer à l'étage suivant. L'étage suivant, c'est je ne fais rien. Je suppose que j'ai un document JSON en entrée, je l'envoie directement à Elasticsearch, pourquoi pas, j'ai eu cette demande-là, donc c'est facile à supporter. J'ai eu la même demande pour du XML, j'ai plein de documents XML, je ne sais pas comment les envoyer à Elasticsearch. Bon, vous pouvez utiliser Logstash, mais voilà, ce truc-là, c'est le faire aussi, si vous voulez. Donc ça transforme juste en JSON. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'utilisation d'Apache Tika. Donc typiquement, le code qu'on a vu tout à l'heure en Java, c'est ce qu'il y a dans FScroller. Et en sortie, ben, vous dites, je veux l'envoyer vers Elasticsearch. Donc c'est quoi l'intérêt de ce truc-là? C'est que tout ce qui va transiter cette fois sur le réseau, la petite partie verte ici, là, ça n'est plus que le texte qui a été extrait et les métadonnées. Donc on ne va plus renvoyer tout le gros document binaire dont on n'a pas vraiment besoin en fait. On va envoyer que les données utiles pour Elasticsearch. Ça supporte beaucoup plus de formats que le Ingest Attachment Plugin. L'équipe Elasticsearch a volontairement restreint pour éviter d'avoir du code qui pourrait tourner dans les nœuds Elasticsearch qui soit peut-être pas top top. Donc ils ont restreint au doc, PDF, enfin voilà, vraiment les trucs de base, texte. Là, on supporte tout. Tout ce que Tika sait supporter. Ça fait de l'OCR de base. Si vous avez installé Tesseract, eh bien, il va appliquer de l'OCR de base. Jusqu'à
présent aussi, supportait beaucoup plus de métadonnées que le ingest attachment plugin, mais maintenant c'est plus vrai depuis la version 8.2 de la suite. Et puis aussi, il supporte l'extraction de métadonnées non standard. Tout à l'heure, je vous ai dit tout ce qui est standard, il est capable de les retrouver, mais dans les documents, y a aussi plein d'autres métadonnées, par exemple sur les MP3, des trucs qui ne vont pas être vraiment standard, mais vous pouvez quand même récupérer avec FScroller que vous ne pouvez pas aujourd'hui avec le ingest attachment plugin. Et puis, je ne vous fais pas la démo de ça parce que c'est à moins d'intérêt. Je vais vous faire la démo finale. J'ai toujours voulu créer une interface graphique pour le projet FScroller de façon à avoir une petite search box qui permet de regarder et chercher les documents qu'on a indexés dans Elasticsearch. Et je suis très mauvais en interface graphique. Donc, je n'ai pas réussi vraiment à faire un truc satisfaisant. Ça a consommé trop de temps. Et en je ne sais plus quelle année, Elastic, on a racheté une boîte qui s'appelle SwiftType et qui est venue avec un projet qui s'appelle Enterprise Search, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais dans Enterprise Search, il y a un composant qui s'appelle Workplace Search. Donc au tout début, c'était payant, tout ça, etc. Donc moi, je ne me suis pas trop occupé. Et puis un jour, Workplace Search est devenu gratuit, disponible dans la version basique. Et là, je me suis dit, c'est bon, j'ai mon interface graphique pour résoudre ce cas d'utilisation, je n'ai pas besoin de bâtir la mienne. Je vais juste envoyer mes documents, au lieu de les envoyer vers Elasticsearch, vers l'API d'Elasticsearch, je vais les envoyer vers l'API de Workplace Search, et comme ça je vais avoir mon interface toute jolie. Je vais vous présenter ce que c'est que Workplace Search, parce que c'est le moment de la démo. Ça tombe très bien. Donc Workplace Search, c'est toujours ouvert, ça ressemble à ça, c'est en gros c'est un fédérateur de recherche pour tous vos documents d'entreprise. Encore une fois, tout ce que je vous montre, c'est dans la version gratuite, basique, donc vous pouvez le tester. Évidemment, s'il y a des fonctionnalités que vous voulez, genre je veux me connecter avec un URL d'app et ce genre de trucs, ça va être payant, mais voilà, de base, tout est gratuit. L'idéal pour le tester, c'est d'ailleurs dans le cloud. C'est plus simple à déployer. Mais avec un bon Docker Compose, vous y arrivez aussi. Et donc là, par exemple, j'ai défini plusieurs sources. J'ai défini une source qui va aller chercher du contenu sur Dropbox et qui va l'indexer. Oui, donc a priori c'est toutes les heures par défaut, il va indexer le contenu, voir s'il y a des nouveautés. Et pareil pour GitHub, et vous pouvez en rajouter d'autres, vous pouvez rajouter plein d'autres sources. Voilà, j'ai aussi du Gmail, mais j'ai Confluence, ServiceNow, GitHub, Enterprise Server, Google Drive, etc. Donc tout ça, voilà, vous fédérez la recherche en fait au sein de la même du même moteur de recherche. Et puis vous avez ce truc-là, Custom API Source. Quand vous n'êtes pas dans un de ces cas-là, vous pouvez fournir vos propres. Vos propres sources, donc Voxel par exemple, j'en crée une. Voilà, ça va, vous allez pouvoir la configurer et puis et lui envoyer des documents. Il va falloir rajouter des clés d'authentification, mais voilà, ça se fait très facilement. Et bien, c'est ce que exactement va utiliser FScroller. En fait, FScroller, il va utiliser cette custom API pour envoyer les documents dedans. Donc, tout ce qu'il aura collecté. Soit vous l'envoyez vers Elasticsearch, soit vous l'envoyez vers Workplace Search. Je vous montre Workplace Search, je crois que je l'ai ouvert déjà. Donc ça ressemble à ça, de base. Voilà, je fais une petite recherche. Non, je vais là. Donc voilà, là je suis connecté sur mon Gmail, sur GitHub et sur Dropbox. Donc si je cherche un truc, je cherche David par exemple. Je vois ce qu'elle me donne, voilà. J'ai des documents dans Dropbox, j'ai des documents dans Gmail, j'ai des documents dans GitHub, et je peux aller faire de la navigation par facette, aller dans GitHub, je vais aller voir les pull requests. Bref, c'est un moteur de recherche, quoi, de documents. Il n'y a rien de transcendant là-dedans. Hop, je retourne ici. Non, je vais retourner là. Ok, donc je vais aller dans mon projet FScroller, et je vais aller le démarrer. Elle est où la ligne? Elle est là. Donc je vais le mettre en mode debug, de façon à ce que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc là, il m'accueille et il me dit, j'ai trois jobs qui ont été définis. Et celui que je veux utiliser, c'est le premier, qui est le Demo Workplace Search, où je vais prendre tous les documents d'un de mes répertoires et je vais les envoyer. Donc ce qu'il fait ici, il prend les documents un par un, en espérant qu'il arrive à se connecter. Oui, il y arrive. Voilà, il prend tous les documents un par un, il fait l'extraction dont on a parlé tout à l'heure des métadonnées du texte, et pour chacun des documents qu'il a trouvés, clac, il les envoie vers Workplace Search. Et puis à la fin, il va s'arrêter. Alors ils envoient en mode bulk, donc ça y est, là j'en avais, je sais plus, 20 et des poussières. Du coup, quand je rafraîchis, quand je réouvre ma page, là, je vois, ah oui, ça y est, j'ai une nouvelle custom source API qui est là, et j'ai 26 documents à l'intérieur que je peux aller voir. Donc on peut aller regarder le détail. Donc ils sont là,
voilà, synchronisé il y a moins d'une minute. On peut regarder le contenu, mais ça n'a pas grand chose d'intéressant. Par défaut, FScroller va générer le bon schéma qu'il vous faut, avec les bons noms de champs, etc., qui vont être supportés par Workplace Search. Bon, il y a encore des petits bugs à gérer, mais bon, les pull requests sont les bienvenus, comme on dit. Vous pouvez changer le UI, par exemple, là je l'ai mis en noir par défaut, mais vous voulez je sais pas, du rose, vous faites ça. Vous voulez changer le subtitle, que ce soit pas le name, mais autre chose, l'auteur par exemple, ou je vais remettre le name. Voilà, vous présentez les résultats comme vous voulez, et aussi les résultats détaillés, où vraiment là j'ai champ par champ, je dis ce que je veux, si je veux pas le, je sais pas, le text size par exemple, je le vire, et je sauvegarde, pourquoi pas. Ça vous pouvez l'éditer comme vous voulez. Et donc je peux retourner dans ma search application de tout à l'heure, et je vais me retourner ici sur la page d'accueil. Je rafraîchis. Et donc voilà, maintenant j'ai bien aussi en source mes documents qui viennent de mes fichiers locaux. Donc je tape David. Ok, je peux aller naviguer dans les 8 documents qui contiennent David. Donc je vois, j'ai du MP3, vous voyez, du MP3, vous voyez, il a réussi à extraire quelques données, donc bon, pas non plus grand chose ici. Et puis j'ai mon test OCR.pdf. Celui-là, vous voyez que j'ai du texte qui a été extrait. Vous voyez tout le texte qui est extrait ici. Si je clique dessus, j'ai cette vue détaillée dont on parlait tout à l'heure. Okay. Et en fait, je peux cliquer aussi pour aller ouvrir le document. Et là, alors il y a une partie qui est en image. Donc ça, ça montre que la partie OCR a fonctionné. Et là, il y a une partie qui est en texte pur. Donc l'OCR a marché. Mais vous devez vous dire comment il a pu ouvrir le document alors que j'ai indexé les trucs locaux et là, mon service, il tombe dans le cloud. Bon, ben en fait, j'ai triché. C'est que simplement, ici, j'ai démarré, mais c'est un truc que vous pouvez faire vous-même. En gros, j'ai démarré un serveur ici, Python, HTTP, qui expose le répertoire que j'ai scanné avec FScroller, tout simplement. Donc vous faites pareil, vous montez un service web qui expose les documents, puis il va vous donner automatiquement la bonne URL pour aller chercher dans cette arborescence le bon votre document et l'exposer à vos utilisateurs. C'est une façon de faire. Quelle heure il est ? Je crois que j'ai 10, 15, ouais, on y est presque là. Je dois finir à 35, je crois. Ah, c'est écrit derrière, 8 minutes. Ah, que suis-je bête. Alors, ah oui, sinon, c'est un truc que je peux vous montrer, puisqu'il me reste un petit peu de temps, c'est que Workplace Search aussi, il a une petite... oh, je suis bête, j'ai fermé tout mon browser. Bon, je vous montrerai pas. Tant pis. Il avait une petite subtilité, il sait reconnaître quand vous dites « Updated by David »,« Recently ». Voilà, il s'est adapté le champ date, il s'est adapté, il sait lire un peu tout ça. Il y a une petite magie, mais bon. Ça vaut ce que ça vaut pour l'instant, c'est des trucs qui vont s'améliorer. Pour être transparent, l'équipe Workplace Search a développé quelque chose qui ressemble un petit peu à FScroller, donc qui va être officiellement supporté par Elastic, qui s'appelle ce Network Drives Connector Package. Ça ne fonctionne pas exactement de la même façon, mais ils sont en train de bosser dessus, donc je vous dis, ça existe. Il y a une version bêta de ce truc-là, si vous voulez le tester aussi. Au moins, c'est supporté par l'équipe officiellement. Et je vais avoir donc un petit peu de temps pour des questions. Les pull requests sont évidemment les bienvenus. Il y a par exemple quelqu'un qui m'a fait une pull request sur Docker, je ne connaissais pas grand chose à Docker, et qui a rajouté tout le support de FScroller, enfin des images Docker. Donc voilà, c'est plein de choses à faire, il y a plein d'issues ouvertes. Et alors, pour les premières questions que je vais avoir, j'ai des cadeaux. D'abord j'ai les paires de chaussettes, deux, et après j'ai autre chose. Alors vas-y. Question très bête, mais l'ouverture du fichier, il n'y a pas de sécurisation là ? Non, il n'y a aucune sécurisation parce que là, c'est mon serveur HTTP Python qui fonctionne directement. Elles sont belles, les roses. Je les aime beaucoup. Toi ? Tu as évacué rapidement Logstash au départ. Oui. Et je me souviens pas l'avoir vu dans l'architecture, la nouvelle plateforme. Ouais, en fait, elle y est, mais elle est cachée dans intégration. Connect, collect et alerte. Elle est là, en fait. Donc c'est un produit qui continue d'être supporté. Oui, ça continue d'être supporté. Et pourquoi tu n'as pas créé un plugin J'avais commencé, mais je suis pas bon en Ruby. Mais effectivement, j'avais fait une intégration Tika dans Ruby en tant que codec. Et l'autre truc, c'est qu'il n'y avait pas d'agent Bits non plus. C'est eux qui sont chargés de collecter les fichiers. Normalement, il n'y a pas d'agent Bits qui fait du crawling
de fichiers. Ça lit le contenu d'un texte, donc des logs, et ça parse, et ça envoie pardon, chacune des lignes, mais ça fait pas du crawling en tant que tel. Donc voilà, puis j'avais déjà mon code qui existait avant que Logstash et Bits arrivent. Voici. Autre question. Des balles. Attention qui font de la lumière. Ah, voilà. Attention. Alors ça va tout mettre à plat. Voilà, j'ai pas vu de configuration particulière ni sur Tika ni sur Tesseract là-dessus, s'il y avait des trucs particuliers à faire. La seule chose que j'ai vue en conf, potentiellement, c'est donner des fichiers de langage pour supporter genre l'hébreu, le grec et compagnie, où là il y a un peu de conf à faire. Mais dans les images Docker qu'on me propose, c'est installé avec le bon Tesseract aussi par défaut. À part ça, j'ai pas vu. Mais tout est extrait à plat de toute façon. C'est pareil, question analogue, les PDF, on n'extrait pas par page. On extrait tout le texte à plat. Il n'y a pas d'extraction par page, malheureusement. Ouais, je te vois. Non, on ne sait pas. Attention. Et après, j'ai des. Non, on ne sait pas exactement où c'est trouvé. La seule chose qu'on peut faire, c'est faire du highlighting. Dans Elasticsearch, où il va extraire dans le texte une partie de la phrase. Mais ça ne te donnera pas le numéro de page. Tu ne pourras pas ouvrir le document à la bonne page. Tu pourras juste voir un peu le texte dans le contexte. C'est tout. J'ai des porte-clés en acier. Ça fait beaucoup plus mal. Donc ça, attention. Va falloir venir les chercher. J'en ai trois. Et après, j'ai les stickers. Ouais, vas-y. Je suis embêté avec cette question, je sais pas trop. En tout cas, je sais que l'équipe veut se servir de la popularité d'FScroller pour migrer beaucoup de gens sur le nouvel outil. Est-ce qu'il supportera la même chose? Est-ce qu'il fera la même chose? Je sais pas. Je pense qu'il sera mieux intégré, c'est sûr. La différence fondamentale, c'est que moi, je me discute soit avec Workplace Search, soit avec Elasticsearch. Je ne suis pas obligé de passer dans Workplace Search aujourd'hui. Eux, ça ne fonctionne qu'avec Workplace Search, là. Donc je ne sais pas si on va à la fin être compétiteur, alors que je suis employé, mais je sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer pour le coup. Bah ouais, ça c'est pareil, Joker, tiens, tu pourras venir chercher. Mais peut-être que mon code est trop merdique en fait. Et voilà, et qu'il n'est pas beau à lire. Non, 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 après c'est du code Java, donc c'est, je sais pas, eux ils ont fait ça en quoi. Je sais plus en quoi ils ont fait. Est-ce qu'il y a du Python ou du Ruby aussi? Je sais que la partie Workplace Search est en Ruby, mais ouais, je sais plus en quoi ils ont fait ça. Ouais, je peux pas te dire. 2 minutes. C'est bon? Pas d'autres questions? Ah, j'ai oublié un truc super important. Eh ouais, il faut faire un sourire. Nicolas, je te vois pas. Ah, voilà, c'est bon, j'y suis. Allez, ah, j'enlève mes lunettes, sinon ça fait vieux quand même. Ouais, cool. Ben, merci à toutes et tous.